Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous peindre une vue de l'espace, voilà, dans les tons jaune et bleu. J'espère que ça vous plaira. Alors, j'ai commencé par faire le fond. Là, j'ai mis à peu près un quart de noir pour trois quarts de bleu. Pour pas que ce soit trop noir non plus. Et maintenant, je vais commencer par faire une grosse planète au milieu. Donc pour ça, je vais utiliser un bol. Voilà, je vais mettre de la peinture sur à peu près la moitié. Et ensuite, comme ça, j'aurai un demi-cercle. Alors là, je veux pas que ce soit trop net, ni ici, ni le bord. Du coup, avec un pinceau et du médium, je vais flouter un petit peu ça. Alors là, j'attends pas que ça sèche, je vais ajouter des contrastes, un peu plus clair, un peu plus sombre, pour pas que ça fasse, pour que ça ressemble à une planète, quoi. Donc j'utilise un pinceau à poil dur, de manière à faire des traces irrégulières, et je tapote juste avec le bout du pinceau. Et je vais même l'estomper avec un deuxième, un pinceau sec, à poil dur aussi. Alors là, je vais en faire une deuxième, donc je fais la même chose, mais avec un cercle plus petit.
Alors maintenant, je vais ajouter des nuages un petit peu partout. Alors, j'utilise les mêmes pinceaux et je vais commencer par le clair au centre des nuages. Alors là, je dilue pas du tout ma peinture hein, pour qu'elle soit bien couvrante, qu'on la voit bien. Et plus je vais m'approcher des bords du nuage, plus justement je vais la diluer pour qu'elle devienne transparente et que ça fasse comme un nuage, quoi, des effets de transparence un peu par endroit.
Alors maintenant, je fais une petite aura lumineuse autour des planètes, comme j'ai fait ici. Alors pour ça, j'ai mélangé du médium, beaucoup de médium, avec un petit peu de blanc et un petit peu de jaune. Et donc, ça fait que ma peinture est un peu transparente. Donc j'en mets un petit peu et ensuite avec un pinceau avec un tout petit peu de médium dessus, je vais l'étaler. Alors pour finir, je vais ajouter des petites étoiles. Alors pour ça, j'ai mélangé de la peinture blanche avec un petit peu de peinture jaune et beaucoup d'eau. Et donc je vais en asperger un petit peu partout, mais pas sur les planètes. Alors voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas vraiment évident à faire quand même. Mais une fois qu'on a pris le coup de main pour faire les petits nuages, en fait, ça va, ça devient quand même plus simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des couleurs de plus en plus claires pour faire des contrastes et pour qu'il y ait des endroits qui ressortent plus. J'ai dû mettre à peu près peut-être 3h30, 4h, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de partager et de vous abonner si ça vous a plu. N'oubliez pas non plus de passer faire un tour sur ma page Facebook et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.